Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Fouedi 134. Donc là, je vais vous montrer le braquage en illimité avec l'hélico, aux motos et une voiture sauvegardée à la sortie de la banque. Donc le but, il est facile à faire si vous respectez bien les étapes. Le pirate, c'est lui qui prendra tout l'argent, pas un autre, il sort pas de la banque. Le démolisseur, il devra sortir de la banque pour rentrer. Et le contrôleur, dans la liste où on met l'argent, le contrôleur 2, c'est celui du bas. C'est lui qui ira se suicider aux motos. Donc là, moi, il me faut une moto. Donc là, j'ai pris la GP, la RP400. C'est elle qui saute le mur. Donc vous allez respecter le chemin que je fais au bout d'un moment, là, je vous dirai, pour faire apparaître l'hélicoptère à chaque fois. Donc en fait, c'est plus une vidéo pour vous montrer comment faire spawn l'hélicoptère à tous les coups. Parce que des fois, vous pouvez y aller directement, il y sera. S'il n'y est pas, vous ferez le grand tour comme je fais moi. D'accord ? Donc là, il vous faudra aller sur le pont du côté de Trevor. Pas de Trevor, pardon, de Lester. Vous savez, quand il faut faire le braquage, c'est le pont du braquage de Lester. Donc là, comme vous pouvez voir sur la gauche, ça sera là quand on viendra faire le saut. D'accord? Donc, si vous le ratez, donc d'abord, il faudra prendre le chemin en inverse. Okay. Donc là, je vous montre, c'est à partir de au fond de cette rue qu'il faudra absolument y être. D'accord? Donc si vous ratez, vous refaites ce chemin comme voilà, en sens inverse. Voilà, il faudra partir d'ici. D'accord? À partir d'ici, c'est le chemin obligatoire en moto. Voilà. Vous venez là, hop. Si vous mettez bien là, il faudra prendre l'élan, vérifier à gauche, à droite s'il n'y a pas de véhicule, pas se planter. Et là, faire un petit coup de cabrage. Hop, avec un cabrage, bim, tomber là-haut. Donc là, vous voyez, il n'y est pas. J'aurais pas dû venir d'abord. Voilà. Là, je vais refaire le chemin. Ça, vous verrez, quand vous ratez, vous faites le chemin comme moi. Bon, normalement, il viendra du premier coup. Là, voilà, pareil, il n'est pas apparu. Donc, je vous explique. En fait, je vais trop vite. Voilà. Sur le chemin, il faut pas aller aussi vite que ça. Là, je suis trop confiant. Donc, je vais refaire le grand tour, vous verrez. Je vais refaire le grand tour. Sauf que je vais mettre des petits coups de frein. Je vais pas rouler à fond. Donc, ça le laissera apparaître, gentiment. Donc, là on s'en fout. C'est à partir d'ici, là. Là, je vais commencer à freiner un peu.
mettez des petits coups de frein, vous voyez, comme là, faut pas aller vite. Bon, prenez votre temps, premier coup, vous devez l'avoir. Voilà, petit coup de frein, hop, là j'y vais, il sera. Sur la gauche à droite, petit cabrage, donc prenez une moto qui est efficace sur les sauts, ça marchera mieux. Là, vous voyez, c'est bon. Donc maintenant que j'ai l'hélicoptère, je vais partir le sauvegarder. Pour le sauvegarder, vous pouvez aller à un appartement, peu importe lequel, à un appartement personnel. Et on va rentrer dedans, ressortir, et il sera sauvegardé. On n'aura plus qu'à la ramener au moto. Voilà, donc là je pose l'hélicoptère pas trop loin, je rentre dans ce garage, juste à faire un aller-retour, et on est bon, on n'a plus qu'à le retour. N'hésitez pas les gars à lâcher un petit pouce bleu, un petit partage si vous avez la possibilité, un petit commentaire, me dire un peu combien vous avez gagné, si ça vous avez bien réussi, et d'en parler à vos amis là, s'ils ont besoin de glitch, de vidéo sur des aides glitch, mode tenue, tout ça, bah, qui viennent s'abonner. Donc vous leur dites rejoignez Fouidi 134 sur YouTube. Voilà, bah, ça fait plaisir. Donc maintenant je vais en moto et j'ai demandé à un collègue à moi de me rejoindre en moto. Voilà, maintenant direction le braquage. Donc le collègue, il a fait pareil avec la voiture. Donc, il est rentré dans le garage, il est ressorti. Avec un pote qui regarde le véhicule pour pas qu'il despawn, c'est encore mieux. Et il doit venir le mettre au niveau du mur. Vous voyez là? Voilà, elle l'a pas mise, elle est sur le côté, il va venir le faire. Normalement, elle devrait être là déjà. Mise sur le mur, hop, sortie du véhicule, et c'est mieux.
mettre ce véhicule comme ça. Là, on peut rentrer dans la banque. Ouais. On met la mettre du bon côté. Va partir. Donc là, le contrôle de foule, il se fera avec le RPG pour avoir l'intimidation au maximum. Le pirate, je me répète, il prend l'argent, pas une autre, il sortira pas de la banque après pour protéger l'argent. N'hésitez pas à venir voir les nouvelles vidéos de Glitch, Glitch appartement, Glitch duplication.
Donc là, moi, j'attends pas. Je vais tracer direct au moto, avec le véhicule. Mes collègues, le pirate, il va pas sortir de la banque, il va se cacher dedans. Et mes deux autres amis, ils vont tuer tous les flics. Alors, donc là, n'allez pas trop vite ici. De bien respecter de passer au point, parce qu'il met du temps à apparaître. Donc là, prenez bien le point, tranquille, pas aller trop vite. Celui-là, pareil, spawn un peu en retard. Et après là, c'est bon. Donc, comme vous pouvez voir, on va voir les coups là. Voilà, la terre nous attend. Braquage organisé, comme on dit. Là, vous sortez du véhicule, bombe coulante. Et après, il va falloir bien vérifier que le rond bleu disparaisse avant de se suicider. Parce que des fois, les voitures et les motos, elles sont juste en feu. Et ça va pas valider. Attendez que le rond bleu disparaisse. Ensuite, vous suicidez. Tout le monde ira apparaître au même endroit. On fera pas au même endroit. Faudra qu'il y en ait un qui aille péter les motos, le rond bleu disparaisse, on monte dans l'hélicoptère, et on part au bateau directement. On va faire les points jaunes avant, et on ramènera tout l'argent. Bon, là, on a eu un fail. On est avec un level 7, il perd l'argent sans se faire tirer dessus. Regardez pas l'argent, c'est pas important. Vous arriverez avec tout l'argent.
Voilà, donc respectez bien les points jaunes. Vous aurez pris les points jaunes, vous arriverez à aller au bateau, vous aurez plus de police. Ça permettra de quitter correctement. Donc, je vous ai expliqué aussi pour quitter. Donc, celui qui prend le quai et l'autre, d'accord, il va fermer l'application. Et quand il va relancer, il faudra qu'il spamme L1R1, ou qu'il reste appuyé sur L1R1, juste après la femme, dans l'écran noir de Rockstar. Vous savez, il y a l'écran noir avec 5 étoiles, Rockstar et tout. Au moment où il y a l'écran noir, au tout début après la femme, il faudra qu'il spamme L1R1 pour qu'il ait le recalibrage disponible et il revienne dans le jeu où il ne perdra jamais ses préparations. C'est important. Depuis que Rockstar a fait l'after patch, là, pas l'after patch, c'est bêtise, qu'il a patché la Kuruma. Il y a beaucoup de joueurs qui perdent leur préparation, leur mission. Donc ça fail, des fois il n'y a pas l'argent et tout. Donc là vous aurez plus de soucis, ça marchera nickel à chaque coup. Donc là l'autre il va quitter sous le pont. Dès qu'il est sous le pont, celui qui conduit le camion il trace, il n'attend pas. Eh ben vous réussirez à tous les coups, voilà, tout simplement. Avec 1 250 000, c'est mieux. Donc là, on a eu un gros fail. Sans se faire tirer dessus, on perdait de l'argent. C'était un bug, à mon avis. Bon, les gars, sur ce, je vous fais une grosse bise. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.